The end had come for the dance organs. But decades earlier, another Belgian had paved the way for a new party to begin. In 1907, a non-flammable plastic was invented by Belgian chemist Dr. Leo Baekeland, Bakelite. This was the very first plastic malleable enough to shape in any form. Bakelite was the first compound to be used as the basis for recorded sounds. And so a Belgian would ultimately give birth to the record. In 1958, while Belgium was busy constructing the largest mirror balls in the world, American inventors were perfecting the vinyl record, giving birth to the 45, the stereophonic 7-inch. Je mets doucement. Hein? Down. With this format, a new sound slowly conquered Belgium's nightlife. Soul music had arrived on the European continent. The Ostend club, The Groove, became the premier place for these new sounds to be experienced. Le Groove avait des disques américains avant tout le monde, et les disques anglais. En ik dacht dat ik toen al veel van muziek kende, maar ik kwam in de Groove en kende geen één plaat. C'est ça en fait, le choc de cette musique. On a dit, wow, c'est quoi ça ici? T'écoutes la musique avec la bouche ouverte, comme ça. Was precies niet van deze wereld, hè. Ook omdat we van die muziek nooit gehoord hadden. We waren hier bitter weinig gewoon in die tijd, hè. Die mooie mooie... Ja, dan had ik natuurlijk de microop te pakken en dan realiseerde ik me in feite dat er veel meer muziek bestond als geen dat je hier in de winkels kon vinden. The Groove sound would prove to be contagious, and slowly a subculture of music lovers would emerge, all looking for their own sound with its distinct rhythm. It would eventually become known as the popcorn scene. Enfin, quand on dit du popcorn, c'est pas un genre de musique le popcorn. C'est la boîte qui s'appelait comme ça, et comme c'était la plus connue, on appelait ça la musique popcorn. C'était le temple du popcorn, ouais. Le temple. In één club in Vraassen, hein? Zag je dus heel België bij elkaar. Walen, Vlamingen, maar ook Nederlanders, Duitsers, Fransen. Die kwamen daar en masse naartoe. En dan heb ik het over echt wel 1000 mensen. Op een zondag namiddag. Samen in de popcorn in Vraassen. Vraassen, Vraassen of Papette, on savait pas où ça se trouvait. C'était dans un petit bled sur le côté, vraiment dans les champs, quoi. Vraiment. Je crois que ça nous a pris 2-3 heures pour trouver là où c'était la boîte. In between the cows and corn, nobody would have ever found it, were it not once again, thanks to Belgium's roads. En dan zag je aan de kant van de weg al die bewoners uit die boerderijen. Van Vraassen. Die zaten op stoeltjes, van die campingstoeltjes, met zo'n thermos koffie erbij, met een bak bier. En dan gingen ze publiek kijken wat naar de popcorn ging. D'habitude, les discothèques se commencent à 9h du soir. Le popcorn commence à 11h du matin. C'est surtout des fiestas de l'après-midi. C'était des beuveries monstrueuses. Et tout le monde buvait à la bouteille. C'était la mode, il fallait boire du tubor. Il y avait des camions de tubor derrière avec des montagnes de tubor, des trucs. Et tout était parti dans un jour. Hein. C'est colossal. 30 degrés, hein, Meneke. Alles kon en alles mocht in de popcorn, dat was zo het idee, hè.
En voor de meeste mensen konden uit een bol gaan door gewoon weg te gaan. En daar konden bij wijze van spreken extra uit een bol gaan. Ik kan me herinneren dat je op zaterdag naar de apotheek ging. Om daar allerlei medicamenten te kopen waar ze op uit gingen. Ja. Moi, j'ai carburé longtemps au Captagon. Captagon en Eken. Tu prends une bouteille de Eken, tu mets du Captagon, tu secoues et tu bois que sec. Ça te donne une pêche d'enfer. Ja, dat werd wel bij de gewone mensen schande over gesproken. Il y avait pas tellement de filles qui dansaient avec les garçons, c'était les garçons qui dansaient avec les garçons. Nou, dat kon in geen enkele andere club in België. Want als je danste met elkaar, dan ben je eruit gegooid. Dat was in de popcorn of in die scene, was het gewoon oké, kom maar, je bent welkom. Et c'est comme si les gens partageaient un grand secret. Il y a eu le Groove, il y a eu le Versailles, puis le Popcorn en 71 qui s'est ouvert, et puis il y a eu des boîtes à Anvers, il y a eu des boîtes à Bruxelles. Et c'est ça qui était bien, c'est que ça fait gonfler le public. Et il y a eu un public immense, quoi. Soul, jazz, ska, mais aussi rhythm and blues, doo-wop, Broadway, zelfs nummers van de musicals. Werden gedraaid. Cha-cha, Latino. Avant tout, c'est le rythme, c'est le tempo. 80% van de nummers die wij draaien, worden niet op het exacte toerental gespeeld. I'm coming home, baby. I'm coming home now, right away. Maar als je hem dan vertraagt, dan krijgt die stem een hele andere klank. Dan gaat het van 45 naar 33 plus 8. En dat is echt popcorn. I'm coming home, baby. I'm coming home now, right away. I'm coming home, baby. Now. I'm sorry now I ever went away. Every night and day I go and stay. I'm coming home, baby. I'm not home. Coming home, baby, now. You know I'm waiting for you. I'm coming home now real soon. You've been gone. Coming home, baby, now. Voilà. Coming home, baby, Mel Torme is een popcorn klassieker, hè? Speciale platen, hè? En voor ons zijn die allemaal speciaal, hè, die platen. Als discjockey, wij hebben nooit dat veel geld aan verdiend. Omdat alles wat we verdienden, dat ging terug naar... Daar kochten we platen mee. Dus er werd heel veel geëxperimenteerd met onbekende singles, met onbekend werk, wat nog nooit iemand gehoord had. Il fallait vraiment chercher. C'est à celui qui se bougeait le plus. Donc moi j'ai commencé à aller aux États-Unis en 74, j'allais déjà aux États-Unis. New York, Philadelphia, Chicago, dans les caves. Pour essayer de absolument de trouver mieux que ce que l'autre a. Une immense cave de je sais pas combien de milliers de mètres carrés, il y avait des millions de disques. There was one place, it was just pallets of records, and the guy had three dogs, and the dogs had been there for about 3 years, shitting and pissing on everything, you know, and I was picking up records and scraping the shit off, you know, to go to the records underneath. I was, oh, fuck. But the Belgian boys must have done the same. Dat was muziek dat niemand niet moest stemmen. Daar waren in Amerika geen verzamelaars voor. Dat is geen waarde. Juist de zotte Belgen kwamen dat kopen. Hmm. I've got 75,000 records here, but there's no good ones. Where have they all gone? Have you had someone through recently? Oh, we had a couple of boys from Belgium in a few weeks ago. Yeah, they took about 2,000 records. I'm like, oh, fucking bastards. Op een zeker ogenblik begon iedereen er een te zoeken. En dat is dan natuurlijk heel nefast geweest voor de prijzen. Hè?
denken over Sam Fletcher, de klassieker, zoals we dat zeggen. Het is moeilijk om te vinden. En altijd duur om aan te schaffen. Hè. In mint conditie gaat je gemakkelijk rond de 300, 350 euro zitten. Dat kan ook eventueel nog hoger. Dat zijn de duurste nissen. Want sommige gaan tot 500, 600, 1000 euro. Il y a un moment donné, il y en a qui se sont dit, tiens, mais pourquoi est-ce qu'on ferait pas des bootlegs? Dus piratenplaten. J'ai fait des petits 25 cm, tu vois, des... comme les 78 tours, comme ça. Je mettais deux morceaux d'un côté et deux morceaux de l'autre. Je payais quoi à ce moment-là 30 francs belges, je crois, pour faire ça. Ça coûtait rien. Hein. Et moi, je les vendais 2000 francs belges. Tu gagnais bien ta vie, quoi. The more entrepreneurial minds of the kingdom set out to earn money off the increasing demands of the DJs. All over Belgium, import stores appeared. Stores that catered exclusively to the trendsetters of the nation's nightlife.